voyez l'XP là en bas? Hein, vous la voyez bien, hein? Hein, vous la voyez bien? Ouais, bah c'est ciao. Voilà. Ça m'a gonflé, c'est ciao. Bah ouais, évidemment. Le problème, c'est que le combat se déclenche à peine je tombe dans le truc, donc je l'ai dans l'os. Donc ça va aller se faire voir. Voilà, on dit ciao à l'XP. C'est bon là? Bon. Qu'est-ce que vous faites ici? Dégâts subis. Oui. Vous avez dit... Il ne tient pas en place. Fais mieux la prochaine fois. Oh frère. Même contre ça, c'est une blague. Sérieux, je pue pas autant la merde que ça, faut se calmer. Là c'est ciao, hein. C'est définitivement fini l'XP qu'il y avait en bas. C'est ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. C'est définitif. Au moins vous le savez. Les Jedi sont morts car ils étaient naïfs. Notre but est bien plus noble. Attaque. Je ne lâcherai pas. Vous n'êtes pas pour tomber. Armement avancé. Cela ne m'arrêtera pas. Arrête. J'ai besoin d'aide, BD. Continuez à tirer. La cible évite les coups. Il faudra garder le temps. Attaquez l'ennemi. Donner un Steam BD. Merci infiniment. Yo, le petit fils de pute qui a mon XP là. Là-bas.
Commençons par vous deux déjà. D'accord. Il m'en faut un. Rien pour on peut les super. Ici, BD. Je vole. Ne laissez pas respirer. Tu la fermes. C'est bon, ouais. Ça me changera un peu, hein. C'est la cage d'Octopocto, mais je m'en fous. Non, est-ce que par contre par là-haut? Non, je peux pas atteindre mon objectif, faut que je retourne là-bas, loin. Quoi? Ouais, j'ai le droit de me TP là du coup. Génial. Je ne peux pas rentrer dans cette canonnière, évidemment. Je vais voir vite fait là, s'il n'y a pas un truc à analyser là-dedans, là. Procédure de combat enclenchée. Oh, t'as rien enclenché du tout, t'es mort, c'est tout. Allez hop, ça dégage. Fort peu agréable, n'est-ce pas?
passer par là, on va arracher ce machin là. Sans déconner, comment j'atterris là-haut là? Parce qu'il y a un point là-haut là qui m'intéresse. Ah, il est juste tout là-haut en fait. Ouais, mais comment j'accède? Parce que là, il y a un raccourci à débloquer. Comment je suis censé accéder là-bas? L'autre côté? Il n'y a rien l'autre côté. Il n'y a rien par là, là. À moins que... Je ne sais pas. C'est bon, tout le monde il est calmé, vous allez me lâcher la grappe. Ah bah il y a un petit truc à récupérer. Arrête de te plaindre, Léo. Fais-moi voir ça. Ça guérira pas. Désolé, bébé. C'est pas ton jour. C'est la vie, Léo. Je préfère te savoir en paix que dans l'estomac d'une autre bête. Ah ouais, elle l'a carrément descendu. Petite donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans? C'est quoi ça? Un passage étrange. Ok. On va aller jeter un coup d'œil, écoutez. J'ai les cheveux qui commencent à faire des trucs chelous. Toujours là? Ouais, ouais. Je regarde. Wesh! Wesh! Tous les lasers. Ouais, les lasers, c'est des mines. Ah! Ah bah, toutes les mines. Donc j'ai eu un peu de chance de pas me faire exploser la tête en passant. Et c'est vous qui avez fait ça? Attendez, c'est... Non! Et ça, c'est pour refaire sortir des mines également, ok. Bon, si on commençait à se diriger vers de base notre objectif, ce serait cool. Donc là, je peux pour le moment pas y passer. Voilà, c'est ça. Par contre, là-bas, il y a des trucs. Petit prince qui papillonne. Là-bas, il y a une rumeur. Donc là-bas, c'est du secondaire. C'est pas ce qui nous intéresse, nous. Je suis complètement pas au bon endroit. Idéalement, là il y a des trucs aussi en plein milieu, mais ça on s'en fiche. Va falloir que je repasse en plein cœur du village. Que je redescende par cette sortie. Et là j'ai un raccourci là. Ok, donc on est bon pour repartir au niveau du village. Étant donné qu'on a fait un bout de ménage, ça devrait pas trop mal se passer.
va méditer un petit coup. On a quoi en termes d'XP, il veut bien me le dire ou pas? Quasiment 2 levels. J'en profiterai pour augmenter mon niveau de vie quand j'aurai le deuxième point. Là. Donc si maintenant je ne me trompe pas et que je ne suis pas complètement débile. Bonjour à vous. Ouais ouais, regarde. Hop. Su, dangereux cet endroit là. Attendez parce que là. Ah oui, c'est bien et bien en bas, ouais. Il y a beaucoup de... Je Ouais, bah reste caché si tu tiens ta petite vie. Oui, j'ai vu un truc là-bas. Espérant qu'il n'y ait pas encore une affreuse bestiole. Non. Là, un deuxième point, parfait. Et voilà. Et c'est pas mal, hein? Ouais, je remets ma tête. Et voilà, comme neuf. Normalement. Enfin, presque. La guerre des clones commence à dater. On a gagné? Non. Oh non. On ne doit plus être très loin. Excellent le droïde. Dit, je ne vois rien qui ressemble à un village. C'est par là qu'il faut aller. C'est parti. Oui, sauf que là-bas il y a des choses. Le problème c'est que ça me fait faire un giga détour par le niveau du caillou. Alors déjà. Voilà. Je t'aime bien la bestiole mais tu vas attendre, hein. 30 secondes. Ça, tu calmes ta joie et t'arrêtes de m'emmerder. Évidemment. C'est fermé. Ça, ça va pas m'emmerder longtemps non plus. Avant de continuer, on va aller chercher notre santé améliorée. Y'a quoi, y'a une porte là? Non, mais y'a un raccourci là au-dessus.
Voilà, une jauge de santé augmentée, ça fait jamais de mal. Là, il y a un établi, on s'en fout. On verra peut-être en enfer, mon pote. Beau combat, mais vous êtes dépassé. Tu es dans ma tour. Que veux-tu ? Te faire une offre. Te proposer une alliance. Hey, regarde ça. Tout ça pour ça ? Vous vous foutez de ma gueule, hein ? Sérieux, hein ? Sans déconner, hein ? Ça va devenir vexant là, mon gars. Là-bas, il y a des trucs, je peux même pas aller les chercher, je sais pas comment on y va. Enfin, bref. Ennemi en visuel. J'ai pris des dégâts. En avant, allez! Vite, un steam! Qu'est-ce que c'est que cette zone infernale? Là, il y a de quoi repartir loin au niveau de la cantina. Là, il y a des trucs, là-bas il y a un truc aussi, il doit être protégé. Regarde-moi cette bouille! Imagine! Certains ont peur d'un truc aussi mignon. On va pas s'en plaindre. Une fois que t'as un truc sympa. Oh, c'est jamais qu'un point de compétence, mais enfin. Pour autant, je vais pas m'en plaindre. Enfin, rectification, c'est plutôt pour une fois que t'as un truc utile. Ouais, exactement. Ouais, ok, ça je connais cet endroit. Le machin en bas, je vais pas le combattre parce que j'en ai pas envie. Là. Alors, on va se diriger un peu vers la suite quand même.
qu'il a trouvé BD. 1.1. Ah. Quoi? Ah, il y avait bien un truc à scanner. Allons faire un tour, BD. On va pas faire un tour, on va vers la suite, imbécile. Merci pour ton aide. Après, parce que là, ça sent le rien du tout. Ça sent le vide sidéral dans ta face. Là où je regarde, là, il y a absolument que dalle. C'est parfait. Bibabibaboum. La suite est bien par là et j'ai un point droit devant. C'est parfait. Parce que ça commence à faire un moment tout de même. Oui, c'est vertigineux. Mieux vaut pas s'approcher cette fois. Attendez, parce que du coup je viens de comprendre un truc, ça veut dire que si j'ai des armes. Merci Toka, toujours un plaisir en tout cas. Ça veut dire que ici. Bingo. Ça c'est plus de munitions j'imagine. Plongeon aérien. Qu'est-ce que c'est ça? Hey. Donc ça, transfert de chaleur efficace. Ok, ça réduit le temps de charge nécessaire, temps de recharge du blaster. Oui, ça je sais, mais c'est quoi? Chargeur amélioré, ok, et ça. Ah. Le pistolero donc. Et ça. Ok. Je pense que j'améliorerai pas beaucoup cet endroit là. Il faut bouger. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on s'arrête là le chat? Bon, vous êtes que deux dans le chat. Bon, moi j'en garde. Moi ça me plaît. Mais tu voulais pas ne pas te spoil? Trop tard. Cet endroit est en ruine. On nous a retrouvés. Là tu devrais pouvoir prendre le blaster aussi je pense. Le scanner par contre.
court. Je m'appelle Cage Vanda. Ah, je croyais que tu étais Cowboy Bebop. Ce petit fouineur a retrouvé ta trace près de l'avant-poste. Cal, tu nous as observés, on dirait. Ah, t'as fait forte impression, Cal. Il faut dire que tous les nouveaux ne se présentent pas en éliminant un des sbires de Revis. Bien joué, très classe, belle entrée en scène. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ah, ce que je veux, Cal, c'est te récompenser pour chacun de ces types que tu élimineras. T'es pas le seul à être venu sur Kobo pour respirer un peu. Arrache ça au chasseur de primes, et je saurai te récompenser. Un membre de la nuée d'action. Donc les autres vont arriver. Exactement. Heureusement pour toi, je reste toujours aux aguets. Face au saloon. Et on s'occupera de ces chasseurs ensemble. Très bien. Je vais y réfléchir. Il faut croire que je suis le seul à pas avoir de propulseur ici. Les primes de Cage débloquées. Primes légendaires. Ah, d'accord. Je vois vaguement ça. Pas mal. Allez, BD. On doit encore trouver le repère de Dagan. Non, moi aussi. Ça te disait pas de me donner un coup de main? Gratuitement. Je crois pas, non. Ok. T'es une saloperie. Ressens la planète et tout ce qui y est lié. C'est le mot qu'on puisse dire. Ta conscience. Je crois que... Là, je l'ai senti. Oui, le voilà. Problème, c'est que là, il manque... C'est très bien, Padawan. Il me manque un machin. Ouvrir la porte. Le problème étant que c'est mon seul moyen de pouvoir continuer. Ah non. Non, derrière, il y a un truc pour moi, pour escalader. J'avais pas vu que jusque là je pouvais monter. Oh, j'aime pas les trolls. Pas passé loin ça. Là, je vous aime pas et ça, ça a déjà été coupé en deux. Ça doit être l'endroit dont parlait Cordova. Je dois me recentrer. Alors attendez, parce on doit continuer, BD. La suite est là-bas, mais... Ça, c'est quoi? On n'est pas les seuls à chercher quelque chose ici. Tu crois que c'est Dagan? Pas le bail. J'ai vu des espèces de cartouches sur le côté. Ça se mettrait pas au milieu? Ça? Non, c'est pas des cartouches. Hein? Par contre,
la lumière. Bienvenue, Jedi. C'est ça que t'as écrit ? Ça vient bloquer à ce niveau. Ici, tu apprendras à maîtriser la matière de Kobo afin de te préparer à traverser l'abysse. Mais la réussite renforcera encore davantage ton lien avec la Force. Je comprends, maître. Puis-je m'absenter ? Tu as rendez-vous quelque part. Très bien. Reviens me voir plus tard. Merci. Je n'y manquerai pas. Mettre une sphère et une couille là-dedans. Je dirais vaguement celle-là. Laisse ton lien avec la Force te guider vers notre objectif commun. T'en alors. Santar écrit entraîner les Jedi pour les préparer au voyage à travers l'abysse. Bête. Non, c'est le même canon que dehors. Oui, ça oui. Mais le truc, il aurait fallu que au lieu. Ah, je pouvais pas le bloquer autrement. Ah, faut que je la récupère de l'autre côté du coup. Bien vu. Ça. Magne. Ah mais le truc c'est que je voulais détruire ça là. Parce qu'il y a un truc qui brillote à l'intérieur. Balance ça ? Ou utilise ton blaster ? Non, il y a que ce machin qui peut le détruire en fait. Ah. Et si j'ai bien visé ? Ah, j'ai mal visé. Tu crois qu'on peut traverser avec ce courant ascendant ? Ah. Là-bas, il y a un coffer, mais je peux pas aller le chercher pour le moment. Parce qu'ici on n'est pas des ports tout de même. Par contre j'aurais bien aimé comprendre comment je pouvais détruire ça. Étant donné que je n'ai aucun accès. Peut-être depuis l'autre côté mais ça m'étonnerait. Je sais pas. C'est pas grave. Dans tous les cas, j'avais pas vraiment le choix pour pouvoir continuer. Il fallait que j'arrache ce machin. Ouais, celui-là, je le voyais pas par contre. Hey,
s'enfuit. Non, non. Non, non. Il a été s'écraser au fond, là. Merveilleux. Grenade. Lol. Ouais, évidemment. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Aïe. Oh, vous êtes deux en plus. J'ai l'impression que l'autre il attend gentiment son tour. La prochaine fois je me tais. Allez, toi tu meurs déjà. Je voulais le caillou initialement, moi, monsieur. Chiche! C'est pas passé loin, ça. Petite colonne vertébrale, là. Miam. Bienvenue, Jedi. Dans chaque monde auquel la République tend la main, il existe des opportunités de partage et d'apprentissage.